Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à Télégénie 2018. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Ce soir, sur le plateau de la télévision nationale d'Haïti, le Beau Jardin de Lille et le lycée Louis-Joseph Janvier vont s'affronter pour la gloire et pour l'honneur. Merci déjà de votre présence. Merci à toute l'équipe technique de la télévision nationale d'Haïti. Et pour lancer la rencontre, nous allons saluer notre drapeau via la dessalinienne. Merci d'adopter la position verticale, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et sur ce, j'appelle deux capitaines afin de procéder au tirage au sort, s'il vous plaît. Merci. Après tirage au sort, mesdames et messieurs, le lycée Louis-Joseph Janvier, équipe A, et Beaujardin de Lille, équipe B, deux écoles de Carrefour à Télégénie 2018. Alors déjà, merci aux Carrefourois et aux Carrefouroises. Nous allons rapidement faire appel au présentateur du jour, et je cite Jean-Jeff Lefebvre et Fabienne Viltus. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Amis téléspectateurs, cher public, soyez les bienvenus à ce nouvel épisode de la saison 2018 de Télégénie. C'est notre troisième match pour la compétition de cette année. Donc les deux équipes sont déjà là. Nous allons demander à chacune de ces équipes de nous rejoindre, moi-même et Fabienne Viltus, sur le podium pour pouvoir commencer avec cette rencontre tant attendu, je vous rappelle, chers téléspectateurs, rencontre qui oppose l'équipe du lycée Louis-Joseph Janvier de Carrefour au collège Beaujardin de Lille de Carrefour. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir sur notre podium, Fabienne, les deux équipes du jour, Beaujardin de Lille et Louis-Joseph Janvier. Pendant qu'ils s'amènent, merci de les accueillir par un chaud applaudissement, s'il vous plaît. Merci. Et déjà, deux rencontres de jouer. J'aurai le lycée Louis-Joseph Janvier à ma gauche. Et à ma droite, le collège Beaujardin de Lille. Tout le monde est là, voilà. Tout le monde est là au grand complet. Les 10 joueurs qui vont s'affronter dans le cadre de cette rencontre, amis téléspectateurs, chers publics, donc juste avant d'entrer de plein pied dans le match du jour, nous allons procéder aux présentations régulières. Et je commence avec l'équipe A. L'équipe A, d'après le tirage au sort, a été l'équipe du lycée Louis-Joseph Janvier. Est-ce que c'est le capitaine qui est à ma droite? Donc on adresse rapidement la parole au capitaine du lycée Louis-Joseph Janvier, qui va se présenter, bien entendu, et qui va procéder à la présentation du reste de son équipe. J'ai avec moi Cérise Luberto, Meiji Morissette, Luxa Marjalunel et Stéphanie L'Espérance. Donc, ils sont tous dans le même niveau, dans la même classe. Vous êtes en terminale, seconde, Reto? Je suis en première. Et ok. Luberto en première. Meiji en terminale, Luxama en première,
ainsi que Sophania Terminal. Et pour le collège Beaujardin de Lille, c'est bien sûr le capitaine qui est juste à côté de moi. Le capitaine, il se présente, maintenant il est au milieu, il se présente et pendant qu'il va nous présenter également les autres collègues. Je suis Jean-Donald Pierre-Louis. À ma gauche, j'ai des Marco. Extrême gauche, Charlemagne Guy Alexandre. À ma droite, Laurent Sébastien. Extrême droite, Cassius Gaëtan. Et pour les classes, c'est Terminal pour Gaëtan, NS3 pour Sébastien, NS3 pour GD, NS3 pour Charlemagne et encore moi NS3. Donc la première question, comme vous le savez déjà, va être adressée à l'équipe A. Et l'équipe A, chers téléspectateurs, c'est l'équipe qui est à ma gauche. Donc l'équipe A, c'est le lycée Louis-Joseph Janvier. Première question, question de sigle, comptez sur 40 points. Louis-Joseph Janvier, donnez la définition suivante. A-C-E-L-E. Association européenne de libre-échange. Non, les 10 secondes sont déjà écoulées malheureusement. Donc, on passe à l'équipe B. Fabien. Est-ce que vous voulez essayer? Non. Non. On continue avec l'équipe B. Beaujardin de Lille. Donnez la définition du sigle suivant. C-R-L-D-I. Donnez la définition du sigle suivant. C-R-L-D-I. Les 10 secondes sont écoulées. Donc, est-ce que l'équipe adverse voudrait essayer? Non. Non. Eh bien, la première réponse, c'était accord Centre européen de libre-échange. Et pour la deuxième, c'était Centre de réception et de livraison des documents d'identité. Voilà. Donc, on a tous perdu les 40 points. La première question. Deuxième question, nous sommes dans la catégorie des sciences, en sciences physiques. Question comptée sur 30 points. Quel est, lycée Louis-Joseph Janvier, cette ancienne unité de puissance qu'on utilisait dans l'industrie de l'automobile qui ne fait pas partie du système international? Quelle est cette ancienne unité de puissance qu'on utilisait dans l'industrie de l'automobile qui ne fait pas partie du système international? Cheval vapeur. C'est la bonne réponse. Cheval vapeur. Question pour l'équipe B. Toujours sciences physiques. Quelle est cette unité de mesure du froid qui correspond à la quantité de chaleur qu'il faut enlever à 1 kg d'eau à 15 degrés Celsius pour la faire baisser d'un degré? Je reprends. Quelle est cette unité de mesure du froid qui correspond à la quantité de cheval, à la quantité de chaleur qu'il faut enlever à 1 kg d'eau à 15 degrés Celsius pour la faire baisser d'un degré? Le Fahrenheit? Non. Le temps est écoulé. L'équipe A voudrait essayer? Non. Ben on avance, on est en chimie à présent. Question. La réponse. La réponse était la frigorie. Frigorie. Donc voilà. Nous sommes en chimie à présent. Équipe A. C'est un métal alcalino-terreux. Il est le 9e élément le plus abondant de l'univers, 8e élément le plus abondant de la croûte terrestre et le 4e élément le plus commun de la Terre, constituant 13% de la masse de la planète et une grande partie du manteau de la planète. Élément chimique du numéro atomique 12, c'est le 3e élément le plus abondant dissous dans l'eau de mer. De quel élément chimique veut-on parler? Magnésium. C'est le magnésium. 30 points pour... 30 points pour le lycée Louis-Joseph Janvier. Et on poursuit avec Beaujardin de Lille.
Cet élément est connu depuis l'Antiquité où il servait à protéger la vaisselle de l'oxydation et pour préparer le bronze. Il est toujours utilisé pour cet usage et pour le brasage. Cet élément est peu toxique, rare à l'état natif. Il est essentiellement extrait d'un minéral appelé cassitérite où il se trouve sous forme d'oxyde. Cet élément chimique de numéro atomique 50, il appartient au groupe des cristallogènes ainsi qu'à la famille des métaux pauvres. L'étain. L'étain. L'étain, c'est bien la bonne réponse. 30 points pour Beaujardin de Lille. 30 points pour Beaujardin de Lille. On avance toujours en sciences, toujours dans la catégorie des sciences. Avec cette question sur les sciences naturelles, comptez sur 30 points adressés à l'équipe A du lycée Louis-Joseph Janvier. Comment appelle-t-on un être vivant dont la structure cellulaire ne comporte pas de noyau et presque jamais d'organite membrané, la seule exception étant les ticlacoïdes chez les cyanobactéries? Acariote. Non. Procaryote. C'est la bonne réponse. 30 points pour le lycée Louis-Joseph Janvier. Question maintenant adressée à l'équipe B, Fabienne. Mais oui, c'est bien Beaujardin de Lille. Combien de chromosomes forment le karyotype du génome humain? 46. C'est la bonne réponse. 46 chromosomes, c'est la bonne réponse. 46 chromosomes. Maintenant, nous sommes en actualité. Nous sommes dans la catégorie des questions d'actualité. Actualité nationale d'abord, comptez sur 30 points. Le gouvernement haïtien a signé 3 nouveaux projets avec le Japon et le PNUD via 3 ministères, dont le ministère de la Planification et de la Coopération externe et le ministère de l'Environnement. Ces projets concernent le renforcement d'un système de gestion de déchets solides, l'autonomisation des femmes, l'électrification rurale et l'appui à la préparation et à la gestion des désastres. Quel autre ministère est impliqué dans la signature de ces accords? Ministère de la Planification? Non. Ministère de l'Environnement? Non. Ministère de la Condition féminine et de la femme? Non. 3 réponses. Est-ce que l'équipe adverse voudrait essayer? Non. Non. On continue. On donne la réponse après. On poursuit avec l'équipe B. Le ministère de la Culture et de la Communication a lancé, mercredi 7 mars, la quinzaine de la francophonie à la Bibliothèque nationale d'Haïti, en présence de représentants des ambassades de France, du Canada, de Suisse et de l'Organisation internationale de la francophonie. Quel autre ministère était aussi impliqué dans ce lancement? Le ministère des Affaires étrangères. C'est la bonne réponse, c'est le ministère des Affaires étrangères. 30 points. 30 points pour l'équipe B. Beaujardin de Lille. Actualité internationale à présent, Fabienne. La première réponse, c'était le ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales. Voilà. Donc, nous sommes en actualité internationale à présent. Question comptée toujours sur 30 points. Cette question va être adressée, comme vous le savez déjà, à l'équipe A. C'est le lycée Louis-Joseph Janvier de Carrefour. La Corée du Nord, le lycée Louis-Joseph Janvier, promet à la Corée du Sud de suspendre ses essais nucléaires. Des discussions ont eu lieu cette semaine entre les deux pays. Un sommet bilatéral a même été annoncé pour la fin du mois d'avril à leur frontière, une première depuis 10 ans. La Corée du Nord et la Corée du Sud sont convenus d'ouvrir une ligne de communication d'urgence entre leurs deux dirigeants, a annoncé mardi un émissaire sud-coréen après avoir rencontré le leader nord-coréen Kim Jong-un. Dans quelle ville du continent asiatique avait eu lieu cette rencontre diplomatique? Pyongyang. C'est Pyongyang, c'est la bonne réponse. 30 points au lycée Louis-Joseph Janvier. Équipe B à présent. C'est le tour de Beaujardin de Lille pour la question d'actualité internationale. Peter Madsen a nié avoir tué à bord de son sous-marin la journaliste suédoise au premier jour de son procès ce jeudi à Copenhague. La journaliste se trouvait en mer avec l'énigmatique créateur du submersible, le Danois Peter Madsen, qu'elle voulait interviewer. Le corps décapité a été retrouvé à plusieurs endroits de la baie de Kodjé, séparant le Danemark de la Suède.
Peter Madsen clame son innocence, affirmant que la journaliste a été victime d'un accident à bord de son sous-marin et qu'il a été démembré, son corps, avant de la jeter à la mer. Donnez le nom de la victime. Alexandra? Non. Le temps est écoulé. Les 10 secondes sont écoulées. Est-ce que l'équipe A voudrait essayer? Non. Ben, nous allons passer à une autre catégorie. Comment? La réponse était Kim. Ils sont très attachés aux réponses. Ouais. Kim Wall. Kim Wall. Et c'était en août 2017. Donc, nous passons à une autre catégorie. Nous sommes en sport. Voilà. Équipe A. Il est né le 19 mars 1924 à Port-au-Prince d'une mère haïtienne et d'un père de nationalité allemande. Et mort le 10 juillet 1964. C'est un footballeur haïtien qui joue sous le maillot de l'équipe des États-Unis lors de la Coupe du Monde de 1950. Il marque le but de la surprenante victoire 1-0 contre l'Angleterre le 29 juin 1950 à Belo Horizonte. Il est ainsi resté dans l'histoire du football des États-Unis. De qui parle-t-on ? Mark Johnson ? Non. John Altidore ? Non. C'est écoulé, votre temps de réponse. Est-ce que l'équipe B voudrait essayer ? Vous avez la bonne réponse ? Non. Non. Et c'est pas non la réponse également. On vous donne la réponse après. Tout de suite après. On continue en sport. Il a pratiqué le football durant sa jeunesse, évoluant au Trivoli Athletic Club et au Racing Club haïtien, avant de se diriger vers l'athlétisme. Il termine 15e du saut en hauteur et 12e du saut en longueur aux Jeux olympiques d'été de 1924 à Paris. 4 ans plus tard, les Jeux olympiques d'été de 1928 d'Amsterdam, l'Haïtien remporte la médaille d'argent du concours de la longueur derrière l'Américain Ed Ham. Le 9 septembre 1928, il améliore de 3 cm le record du monde de la discipline détenue par Ham en réalisant 7 m93. De quel athlète haïtien s'agit-il ? Silvio Cator. C'est la bonne réponse. C'est bien la bonne réponse. Silvio Cator. 30 points de sport pour Beaujardin de Lignes. Et c'est avec les questions, les catégories d'histoire et de géographie. Ah, votre réponse, c'était Joseph Edouard Gitchens, dit Joe Gitchens. Question pour l'équipe A, question d'histoire, comptez sur 50 points. En quelle date, mois et année, a eu lieu la bataille de la Ravine à Couleuvre? Février 1802. C'est la bonne réponse. Février 1802. On continue, Fabienne. Question d'histoire pour l'équipe B. En quelle date a eu lieu la bataille de la Crête à Pierrot? Mois et année. Premier janvier 1807. Non. Non, c'est pas la bonne réponse. Est-ce que lycée Louis-Joseph Janvier voudrait prendre la main? Non. La réponse, c'était mars 1802, Fabienne. Et bien sûr, mars 1802. Hein. T'es remords, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est toujours comme ça. Hein? J'ai l'impression qu'ils se disent, mais je te l'ai dit, il fallait répondre. Pourquoi? T'es remords. Eh bien, on va voir si on ne va pas rater en géographie. D'ailleurs, la première question va vous être adressée. Et question de géographie pour l'équipe A. Dans quel département se trouve la commune de Thiotte? Sud-Est. C'est la bonne réponse, c'est le Sud-Est. Un match assez facile, Fabienne. Hein? Deuxième question de géographie Monsieur, pour B. Jusque-là, pour... Le collège Beaujardin de Lille, dans quel département se trouve la commune de Bombardopolis? Sud? Non. Le nord? Non. Non. Le nord-ouest? Le? Nord-ouest. C'est la bonne réponse. Bien sûr, c'est la bonne réponse. Ouais, c'est le nord-ouest.
Eh bien, c'est ici, Fabienne, que nous mettons un terme à la première manche de ce match qui met face à face les équipes du lycée Louis-Joseph Janvier et le collège Beaujardin de Lignes. Nous allons observer une pause. Téléspectateurs, nous sommes de retour pour la deuxième mi-temps de cette rencontre qui oppose l'équipe du lycée Louis-Joseph Janvier de Carrefour au collège Beaujardin de Lignes de Carrefour. Fabienne et moi, nous sommes là pour vous apporter ce match. Donc, nous sommes en deuxième période et nous allons aborder d'autres catégories dans cette manche de la rencontre. Et à présent, comme vous le saviez déjà, l'équipe A, c'est l'équipe qui est à ma gauche, c'est l'équipe du lycée Louis-Joseph Janvier. Nous jouons à présent en catégorie capitale et monnaie rapidement. Ces questions sont comptées sur 40 points, capitales et monnaie. Rapidement, la première question va être adressée à l'équipe A, Fabienne. Quelles sont la monnaie et la capitale du Bangladesh, équipe A? Dhaka, Dhaka. C'est la bonne réponse. Équipe B? Équipe B, toujours en capitale et monnaie. Quelles sont la monnaie et la capitale de l'Indonésie? Jakarta, Rupiah. C'est la bonne réponse. Jakarta, Rupiah, bien sûr. Et nous sommes en invention à présent. Question comptée sur 40 points. Inventé en 1895 par un physicien allemand, ils sont massivement utilisés dans le domaine de la médecine et de la sécurité. Ils permettent de procéder à des découpes virtuelles sans toucher à leur structure. Il s'agit des rayons X. Donnez le nom de la personne qui l'a inventé. Wilhelm von Röntgen. C'est la bonne réponse. C'est Wilhelm von Röntgen. Voilà, question pour équipe B, invention. Équipe B, antibiotique découvert accidentellement en 1928 par un professeur en bactériologie. Elle est utilisée dans le traitement d'infections bactériennes. Il s'agit bien de la pénicilline. Donnez le nom de la personne qui l'a découvert. Alexander Fleming. C'est la bonne réponse. Fleming. Alexander Fleming. C'est exact. Et à présent, nous sommes en art et culture. Question comptée, s'il vous plaît, sur 50 points. Deuxième et dernier changement pour Beaujardin de Lignes. Voilà. Et c'est une fille qui nous rejoint sur. Elle va nous donner son plateau. Nom rapidement. Votre nom, c'est Nancy. Nancy. Bon, elle préfère Nancy, donner Nancy. Tout est prêt. Oui. Voilà. On joue en art et culture. Question comptée sur 50 points. Nous sommes dans une catégorie de questions à choix multiples qui nécessitent des réponses uniques. Vous comprenez ça, hein? Ok? Identifier l'écrivain qui ne fait pas partie du mouvement littéraire des pseudo-classiques ou pionniers dans le groupe suivant. Jules Solim-Milsan, Beauvais l'Espinasse, Juste Chanlatte. Beauvais l'Espinasse. C'est la bonne réponse. 50 points. 50 points au lycée Louis-Joseph Janvier. Question adressée à l'équipe B à présent. Équipe B, c'est bien Beaujardin de Lignes. Quel écrivain ne fait pas partie de l'école du romantisme haïtien? Ignace No, Hannibal Price, Beauvais l'Espinasse. Je reprends. Quel écrivain ne fait pas partie de l'école du romantisme haïtien? Ignace No, Hannibal Price, Beauvais l'Espinasse. Public, s'il vous plaît, surveillez-vous. Ignace No. Non, malheureusement, c'était une mauvaise réponse. Donc, vous n'avez pas droit de réplique parce que c'était une question à choix multiple. Et c'était Fabienne. La réponse était Hannibal Price. Hannibal Price. À présent, on va passer à une autre catégorie. Qui sont les technologies. Les technologies. Question pour l'équipe A. C'est l'une des compagnies les plus importantes de la fabrication et de la commercialisation de matériels informatiques et électroniques en tout genre. Elle a été créée par l'Américain Steve Jobs. De quelle compagnie s'agit-il? Apple. C'est Apple. 50 points pour l'équipe
du lycée Louis-Joseph Janvier. Beaujardin de Lille. Son nom est Bill Gates. Il est à l'origine de la compagnie qui fabrique et commercialise le système d'exploitation Windows. Quel est le nom de cette compagnie? Microsoft. C'est bien? Microsoft. Microsoft, c'est la bonne réponse. 50 points pour le collège Beaujardin de Lille. Et à présent, on va passer, amis téléspectateurs, chers publics, dans la catégorie des questions individuelles. Donc nous venons de laisser pour un petit moment la catégorie des questions collectives. Ça veut dire quoi? Les réponses doivent être répondues au joueur qui est concerné par la question. Et pour est-ce cela, que nous allons... Est-ce que vous avez compris ça? Donc une seule personne répond à cette question. On va commencer en œuvre et hauteur. Vous ne concertez pas. Donc, nous avons monsieur pour œuvre et hauteur. Vous donnez votre nom. Rappelez-nous votre nom. Luxama Jean-Lionel. Luxama. Luxama, est-ce que c'est bon pour œuvre et hauteur? Oui, super. Voilà. Ta première question, elle est la suivante. L'ombre animale, c'est le troisième roman de cet écrivain. L'œuvre en question fait parler une voix d'outre-tombe d'une femme qui, comme le dit l'auteur, est dans le lieu de la vérité absolue. Elle évoque son enfance, sa famille, ses dérives. Dans une langue très poétique, où la parole coule à flot, une véritable fête du langage, un feu d'artifice de la parole. Ce roman est déjà distingué par 3 prix littéraires. Quel est le nom de cet écrivain? Luxama. Jacques Roumain. Non. Marcel Proust. Non. Votre temps de réponse est écoulé. Est-ce que... Non. À présent, votre question. C'est votre tour, Nancy. Une île de l'autre côté de la mer qui se transforme peu à peu en un champ clos où chacun aspire à des départs. L'auteur nous y convie pour un voyage imaginaire dans le temps à travers une saga familiale du souvenir. Une île de toutes les fuites, soit vers l'intérieur, soit vers l'autre bord de l'eau. Cette autre face de la mer hante l'imaginaire des habitants de l'île. C'est l'histoire d'Haïti et des Haïtiens depuis leur arrivée sur l'île que nous compte l'auteur dans cette fable dont on n'oubliera pas le récit de Granny. La grand-mère est celui de Jonas, l'homme du présent insupportable. Nous parlons bien du roman ayant pour titre « L'autre face de la mer ». Donnez le nom de son auteur. Je reprends pour vous. Philippe d'Alembert. C'est la bonne réponse, c'était Louis-Philippe d'Alembert. 50 points. Avant même la reprise, au collège Beaujardin de Lille. Et la réponse à la première question, c'était Mackenzie Orcel. Il a été invité d'honneur de la dernière édition de Livre en folie. Hein. Et à présent, on est en cinéma. Nous sommes en cinéma. Cinéma. Donc, le nom? Pierre Wadley. Le nom? Pierre Wadley. Pierre Wadley. Pierre Wadley. Et ce film connaît un succès énorme. Hein? Donnez le nom du réalisateur du film afro-américain Black Panther. Ryan Coogler. C'est Ryan Coogler. Bonne réponse. 50 points au lycée Louis-Joseph Janvier. On continue avec Beaujardin de Lille pour la catégorie cinéma. Et la personne qui répond, c'est bien? Gaëtan Cassius. C'est bien? Gaëtan Cassius. Gaëtan Dacius. Cassius. Gaëtan Cassius. Il faut parler fort. Allons-y. Quel est le réalisateur principal du film haïtien Barricade? J'ai pas dit Bien-Aimé. Non. Non. Réginald Lubin. Non. Richard Sénégal. C'est la bonne réponse, Richard Sénégal. Au dernier moment, il a eu. À la limite, oui, oui. Richard à la limite. Sénégal, oui, c'est bon. Il a eu. C'est Richard Sénégal. Et à présent, proverbe créole, s'il vous plaît. Créole. Proverbe créole, le nom c'est? Medji. Comment? Medji. Tu es fatigué, Régis? Non. Ok, nous sommes en proverbe créole. C'est facile. C'est dans Chimé Genin. Bravo. 50 points pour le lycée Louis-Joseph Janvier.
Et pour Beaujardin de Ligne, le nom c'est? Gédé Marco. C'est? Gédé Marco. Géné. Yeah. Je reste à Géné. Complétez le, en compléter le proverbe ça. Yon sel douette. Pas manger calalo. Voilà. 50 points pour Beaujardin de Ligne. 50 points également pour vous. C'est une doctrine selon laquelle toute connaissance découle de l'expérience. Elle s'oppose au rationalisme et à la théorie des idées innées dans notre esprit. En particulier le rationalisme qui considère que nous disposerions de connaissances, idées ou principes a priori. Il s'oppose également à des idéalismes, bâtisseurs de systèmes de pensée. Les adeptes à cette doctrine ne nient pas que la raison puisse jouer un rôle dans le processus de la connaissance. Ils refusent seulement l'idée qu'il puisse y avoir des connaissances purement rationnelles ou a priori. Et ils mettent l'accent sur la méthode expérimentale. De quel principe philosophique est-il question ici? Rationalisme. Non. Malheureusement, le temps est parti, est écoulé. Est-ce que l'équipe adverse voudrait essayer? Non. Votre question à présent. Le principe de ce courant philosophique est de refuter à l'homme tout sens métaphysique, s'attachant ainsi aux sciences objectives, à la recherche de lois. L'amour pour principe, l'ordre pour base et le progrès pour but, tel est le caractère fondamental du régime définitif que cette doctrine vient inaugurer. De quel principe philosophique parle-t-on? L'existentialisme. Non. Non. Le positivisme. C'est la bonne réponse. Positivisme. 50 points pour Beaujardin de Ligne. Avec Géné. La réponse à la première question, c'était l'empirisme. C'était l'empirisme. Nous sommes en calcul mental à présent, toujours dans la catégorie des questions individuelles. Un avion décolle de l'aéroport international Toussaint Louverture à 15h50, fait escale à l'aéroport international de Miami à 18h10 pendant 35 minutes et repart pour New York où il arrive à 19h45. Pendant combien de temps l'avion a-t-il décollé? C'est A, 2h20 minutes, B, 3h20 minutes, C, 3h05 minutes. 3h05 minutes. Malheureusement. Donc, c'est il n'y a pas de réplique, c'était 3h20 minutes. Question pour l'équipe B. Ici, c'est avec le capitaine. On considère que Jean marche à une allure régulière. À 15h, il n'avait pas couru 8 km. À 16h, il n'avait pas couru 13 km. À quelle heure est-il parti? A. 13h. B. 13h57. C'est 13h24. 13h57. Non. Malheureusement. Donc la bonne réponse était Fabienne. 13h24 minutes. Voilà. Donc c'est fini ici la catégorie des questions individuelles. Nous sommes en question éclair, question collective. Question éclair, des questions très faciles. Et la première question va être adressée à l'équipe A, le lycée Louis-Joseph Janvier. Voici plusieurs synonymes, lycée Louis-Joseph Janvier, concernant le mot intelligent. Seul un ne correspond pas. Trouvez l'intrus. Ingénieux, éveillé, présomptueux, sagace, habile. Sagace. Malheureusement, c'était présomptueux. C'est question à réponse unique. Ouais. Voici plusieurs synonymes concernant le mot diligent. Seul un ne correspond pas. Trouvez l'intrus. Zélé, original, attentif, appliqué, empressé. Gêné. Malheureusement. C'est la mauvaise. C'était réponse. Original. Voilà. On n'est pas trop loin de la boucler fin. La boucle. Hein. Bien sûr. Hein. C'est la dernière catégorie. C'est l'occasion pour vous de vous reprendre si vous voulez. Hein. Donc, plus 60, moins 60. Nous sommes, amis téléspectateurs, dans la catégorie des questions à risque. Équipe A, quel est le plus haut sommet de l'Afrique? Kilimandjaro. C'est le Kilimandjaro.
Plus 60 pour le lycée Louis-Joseph Janvier. Équipe B. Beaujardin de Lignes, votre dernière question. Quel est le plus haut sommet de l'Amérique du Nord? Le Mont McKinley. C'est le Mont McKinley. Bien répondu, plus 60. Et c'est bien à 6194 mètres d'altitude. Voilà, donc c'est la fin de la phase des questions-réponses. Donc nous sommes presque à la fin parce qu'il y a le score que vous devez connaître, amis téléspectateurs, cher public. Donc nous allons observer une petite pause, question de passer et maintenant aux membres du jury qui font leur travail. Et on va revenir pour le score, Fabienne. À tout à l'heure. Bien sûr, à tout de suite. Nous sommes de retour pour la conclusion de cette rencontre qui opposait l'équipe du collège Beaujardin de Lignes au lycée Louis-Joseph Janvier. Et là, c'est le moment des résultats. Donc, nous remercions, nous profitons de cet instant pour remercier tous nos partenaires. Nous remercions la World Vision, nous remercions Surtap, nous remercions Mode 31, Fabienne. Hein? Et bien sûr, Ona. Ona, l'ONA. Donc, nous sommes à l'auditorium maintenant de l'ONA. Donc, grand remerciement à vous, chers partenaires, de nous avoir accompagnés, hein, de nous accompagner pour cette belle aventure et au cours de cette année, bien entendu. Et là, c'est les résultats qui viennent de tomber. Et nous jouons le troisième match hein, de la compétition de cette saison 2018 de. Et nous sommes encore On est en train de regarder le résultat, Fabienne. Est-ce que c'est une surprise pour toi? Est-ce que c'est une surprise? Tu t'y attendais, non? Un petit peu, oui. Ok. Parce que le match était vraiment serré. Et vous voyez de quoi on veut parler, cher public. Donc le score, c'est, chers téléspectateurs, 560 pour le lycée Louis-Joseph Janvier. Et 560 pour Beaujardin de Lignes. Dex. Le score. On applaudit les deux équipes, s'il vous plaît. Le score. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Mais le match se termine à égalité. Donc, Fabienne, on a fait un beau match. Hein? Un très beau match. Et on rappelle que le match a terminé à points égaux. Sur un score nul. Hein? Des deux côtés, donc bien c'est sûr. Un match nul, 560 des deux côtés. On remercie tout le staff de la télévision nationale d'Haïti d'avoir su bien faire leur travail. Donc merci à la production, merci aux techniciens, merci Jasmine, merci Digassin, merci D.I. Sergio Lindor, merci à tous et à toutes. On se donne rendez-vous à une prochaine rencontre d'ici là. N'éteignez pas votre écran ou ne bougez pas, restez sur la 8. À bientôt. À bientôt.